il est midi 30 et je suis en train de manger mon petit reste de pizza d'hier. Voilà. Alors, j'ai faim. Hier, on n'a pas fait grand chose. On a été aux courses et je suis passée un peu chez ma mère. Et j'ai refait mes ongles, donc je vous montre comme ça. En fait, j'avais testé, vous verrez ou vous avez déjà eu? Non, vous avez déjà eu le haul Temu normalement. J'avais commencé à faire avec les petits stickers argentés là. Et au bout d'une heure, je les avais déjà tous arrachés. Voilà, pourquoi j'aime pas les stickers. Si peu qu'il y a un tout petit bout qui se décolle, je les arrache et ça pourrit tout le truc. Donc j'ai recommencé en pour goût plus simple. J'ai juste mis le Please Bury Me de chez Essence et j'ai mis celui-ci de chez Essie par-dessus que j'adore et qui est le... Oula! Qui est celui-là. Je sais pas si vous allez arriver à lire. Essayez un petit focus. Allez, encore un peu. Tu peux le faire mon coco, tu peux y arriver. Voilà, je ne sais pas si vous allez réussir à lire, moi j'arrive absolument pas. Et je crois que c'était dans le bon sens, hein. Oui. Et hier, ils ont commencé à mettre les décos de Noël au Cora. Et du coup, j'ai trouvé, j'en ai pris deux, mais je vous en montre une, des guirlandes noires. Elle pue. Ou alors c'est Raya qui a pété. Voilà, pour mettre dans mon sapin noir et blanc, elles sont hyper grandes et elles étaient à 1€ pièce. Je suis contente parce que j'en ai cherché toute l'année dernière et pas moyen d'en trouver une. Donc là j'en ai pris deux. Voilà. Même si je mets pas les deux dans le sapin parce que je suis pas très guirlande. Je préfère des belles déco, les boules et tout ça. Ou le tulle, mais j'ai pas beaucoup de tulle noir non plus. Donc je verrai. Ou au pire je le mets autour de mes meubles ou un truc comme ça. Et voilà. Et là je me suis réveillée avec une migraine pas possible ce matin. J'ai dormi toute la matinée et... Je vais vous laisser parce que chérie descend. Et voilà. Donc on papotera un peu mieux demain. Il est midi 36. Il est très tard parce que j'ai été me recoucher. Désolée. J'ai été me coucher à minuit et demi parce que j'ai joué avec les garçons. Et Ryan n'a rien trouvé de mieux que de me réveiller à 4h. Donc j'étais un petit peu crevée. Et du coup j'ai été me recoucher à 9h30 je crois. Ouais, vers 9h30, j'ai été me recoucher et ouais, je me suis levée à 11h30. Et là, il faudrait que je pense à manger, mais j'ai même la flemme de bouffer. C'est un truc de fou, comme j'ai la flemme là. Donc, je sais plus ce que je vous disais hier avant que je doive couper rapido parce que chérie descendait et pour pas que vous le voyez trop parce qu'il n'aime pas ça. Je sais pas si je vous ai dit, du coup, il m'a offert ma bougie d'Halloween charmée d'aroma. Donc maintenant, il faut que j'attende qu'elle arrive. Elle était en promo. Elle était à 31€ à la place de 50... 51, je crois. Et bon, après, il y a 20€ de frais de port. Mais du coup, bah, j'ai gagné les frais de port, quoi, on va dire, en gros. Voilà. Et finalement, moi, je ne vais pas prendre les calendriers Glam Shop, puisque il y en a deux cette année. Là, ils viennent de sortir le pack pour les avoir moins chers et dispo. Donc, ça me fait hésiter, mais... En fait, comme je dans la box d'octobre, il y a la palette grise que j'aimerais vraiment avoir. Si jamais je ne l'ai pas, j'aimerais bien me la commander. Donc, je vais garder les sous pour ma palette. Même si j'ai pas besoin de palette, hein, on est d'accord. Hein, c'est juste, voilà, parce que j'ai envie. Et voilà, voilà. Donc, bah écoutez, ça va, ce vlog va être vraiment très court, je pense, hein, parce que là, demain, je ferai pas grand-chose non plus. Demain, il faut absolument que je fasse sortir les chichous, que je fasse une grosse séance de pilates, parce que j'ai pas pendant 15 jours. Donc, là, j'ai fait une rapide, une de 15 minutes. Demain, je ferai une d'une heure. Et je voulais en faire aujourd'hui, tiens. Je vais peut-être en faire déjà maintenant un peu, je ne sais pas. Je suis tellement fatiguée que j'ai envie de rien, j'ai pas envie de bouger, quoi. C'est un truc de fou. Et j'ai la kiné ce soir parce que là il est temps. Je sens que j'ai encore un peu mal la tête. Et ça vient de ma nuque. Parce que je sens que j'ai hyper mal la nuque. Là vraiment, vous savez, à la base du crâne. Oh, qu'est-ce que j'ai mal, j'en peux plus.
Et quand j'ai mal comme ça, là, les cervicales, ben, vous pouvez être sûr que j'ai mal le crâne. Mais bon, la migraine, je ne sais pas d'où elle est venue. Parce qu'elle était fameuse. Hein. Wow, elle était costaud celle-là. Hein. J'ai encore dû prendre plein de cachets là, moi qui ne reprends jamais. Donc j'étais dans le coltard toute la journée. Donc voilà, mon état du samedi. Et toujours pas de nouvelles pour la boxe de septembre, Pélouis. Ils pourraient, franchement, ils envoient des mails pour pour les pubs, pour dès qu'ils mettent quelque chose en vente, ils pourraient prévenir. Parce que là, ça commence à faire hyper long. La semaine prochaine, ils vont déjà confirmer la commande de celle d'octobre. Et il y a quelques personnes qui l'ont reçue, mais il y en a plein qui ne l'ont pas reçue. Donc je ne sais pas s'ils sont en rupture de stock d'un produit ou quoi. Mais alors à ce moment-là, qu'ils le changent, quoi. Vous voyez? Je ne sais pas. Qu'ils mettent un autre produit à la place, un peu plus cher pour compenser le fait que ce soit pas celui qui était annoncé. Et puis bon, basta, quoi. Parce que là, vous pouvez pas faire attendre les gens un mois. C'est juste pas possible, quoi. La commande a été confirmée le 28 septembre, comme ils font à chaque fois. Tous les 28, c'est confirmé. Normalement, tous les débuts de mois, ils envoient. Donc là, au lieu du début de mois, ça a été reporté au 11, et puis ça a été reporté au 14, et là, on est le 21, je crois. 21, et personne n'a des nouvelles, quoi. Ils répondent même pas aux posts sur Insta, rien. Il y en a plein qui demandent, et il n'y a personne qui répond. Et je sais pas, qu'ils fassent une story, qu'ils fassent un post pour prévenir que, voilà, il y a un souci de stock, ça peut arriver à tout le monde, donc... Mais ils pourraient prévenir, quoi. Ça, je trouve ça un peu dégueulasse parce que déjà que c'est pas une box qui elle m'intéresse en soi parce que c'est des crayons pour les sourcils, enfin c'est des produits à sourcils. Mais alors il y a les crayons, ils mettent toutes les teintes, c'est 6 teintes je crois qu'il y a. Moi je vais pas toutes les garder bien évidemment. Il y a un gel transparent, j'utilise pas, et il y a une palette avec les produits crémeux et poudreux pour refaire vos sourcils au pinceau, ce que je n'utilise pas non plus. Donc moi je vais garder en gros 3 crayons sur la box, donc ça fera très cher cette box là, on est d'accord. Pour peu que j'ai en plus des frais de douane, elle va vraiment me pomper jusqu'au bout celle-là. C'est le jeu ma pauvre Lucette, j'ai envie de dire, hein, quand on prend une box mystère, on ne sait pas trop ce qu'il va avoir. Après c'est tout bénef pour vous, puisque ce que je ne garde pas, je mets de côté pour vous. Voilà. Et voilà. Et je pense qu'en janvier, vu que je vais reprendre un an de toute façon, bah, peut-être pas d'un coup à un an, mais je verrai ce que j'aurai de côté, mais je vais reprendre les box pendant un an pour voir. Et ce que je ferai tout le long de l'année 2025, je ferai gagner tous les mois les produits que j'utilise pas, je les ferai gagner. Et si je garde tout, ben, je mettrai un truc qu'il y avait dans le calendrier ou dans une des box précédentes que je mets de côté pour les concours. Donc voilà, vous aurez au moins un produit Pélouise à gagner par mois. Je pense que je vais faire ça, je ne suis pas encore sûr, donc vous emballez pas, hein, parce qu'il y a encore les frais d'envoi à prévoir. Mais ouais, j'ai bien envie de faire ça pour vous faire plaisir, ceux qui sont vraiment réguliers sur ma chaîne. Donc voilà, je pense que je ferai ça. Voilà. Dites-moi si ça peut vous intéresser en commentaire, comme ça je sais s'il y en a que ça plaît. De gagner comme ça un tout petit lot une fois par mois. Vous me direz. Voilà. Bon, moi du coup, j'allais faire mon boss sur le jeu. J'allais me refaire un café. J'ai essayé de penser à manger un truc, mais je sais pas quoi. J'ai envie de rien. Oh, je vais manger une banane, tiens. Ouais, je vais manger une banane. Et bah, il reste du repas d'hier, mais j'ai pas envie. Bon, j'ai la flemme de me réchauffer. La banane, il y a juste à l'appeler, puis c'est bon. Et surtout que j'ai enfin réussi à perdre un kilo supplémentaire, donc je vais pas le reprendre vu que c'est du gratin dauphinois. Donc on va éviter. Voilà. Donc je vais manger ma petite banane. Banana! Respect power. Et voilà. Bah, écoutez, je pense que j'ai rien de plus à vous dire pour aujourd'hui. Demain, j'aurai pas grand-chose à vous dire non plus. Alors, hier pour ma séance de pilates, alors chéri rigolait parce que lui il regardait la fille à la télé, parce que la séance de pilates je mets YouTube sur la télé, il regardait la fille sur la télé et puis il rigolait à cause du chien parce que j'avais Yuki, alors je devais faire les abdos avec Yuki couché sur mon ventre et après je devais être à plat ventre sur le tapis
Et je devais normalement poser la tête sur le tapis, sauf que j'avais la posée sur Yuki, parce qu'il était sur le dos, juste en dessous de ma tête, pour que je lui fasse des bisous à chaque fois que je baissais la tête. Les deux autres m'emmerdent pas, hein, quand je fais le pilate, je peux faire n'importe quoi comme sport, il m'emmerde pas. Mais alors lui, qu'est-ce qu'il casse-couille? Il vient, puis il veut des bisous, il veut des gâtés, il veut des caresses. J'ai que ça à faire, quoi. Je suis en train de souffrir, j'ai les abdos en feu ou les fessiers en feu, et l'autre, il vient me demander des caresses. Voilà, et monsieur était mort de rire. Bref, bah, j'ai même dû rigoler ici. Oh oui, pareil, hier soir, finalement, je dis que j'avais rien à vous dire, mais je suis monté me coucher. Ryan est tendu de tout son long, les quatre fers en l'air, à ma place, dans le lit, bien évidemment, à côté de monsieur. J'essaye de grimper dans le lit et de tirer un petit peu la couverture, et je dis, vu la position qu'il a, si je lève la couette, il se retourne et j'ai un peu plus de place. Donc je levais la couette, mais il est lourd, hein. Il est quand même plus de 40 kilos, quoi. Donc je levais la couette, il tournait, je rebaissais la couette, puis je remettais de l'autre côté. Et comme ça, 5 ou 6 fois, quoi, pour finir, j'ai laissé tomber. Je me suis glissé en dessous de la couverture, j'ai mis mes pieds en dessous de lui pour avoir bien chaud. Et puis j'ai attendu, je me suis endormi comme ça, et puis au bout d'un moment, il descend, hein, quand il a plus de place dans le lit. Il dort pas toute la nuit dans le lit, vous voyez, après il se couche par terre. Mais... J'ai dû rire toute seule, quoi. Imaginez la scène, moi avec ma couette en train de tirer alors que j'ai pas de force et que j'ai super mal les mains pour essayer que le chien roule sur lui-même de l'autre côté. Sauf qu'à chaque fois, il revenait dans l'autre sens. À chaque fois. Et j'étais mort de rire. Et puis vous essayez de le pousser, rien à foutre. Hein. Voilà, je suis là, j'y reste, démerde-toi, t'as qu'à te faire une place. C'était vraiment ça, quoi. Bref, j'ai bien rigolé. Hein, mon propos, tu prends toute la place dans le lit à un moment, hein? Allez, on va prendre toute la place dans le canapé. Voilà. Il se lève d'une place pour aller se coucher à une autre. Voilà la vie de chien, quoi. Ouf. Allez, sur ce, nous, on switch de jour. Alors, il est 14h15. Et il y a une petite étoile ici. D'ailleurs, je peux l'enlever, je l'ai mis ici hier soir. J'ai un bouton qui fait super mal. Oh là 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 là, l'horreur. Il fait super mal. Donc, voilà. J'ai rien d'autre à vous dire en fait aujourd'hui. Si, ma box Pelouise a enfin été envoyée. Il était temps, n'est-ce pas? Donc voilà, les deux seront rapprochés, je pense, puisqu'ils vont valider l'autre le 28. Et voilà, tout simplement. Donc ce vlog aura été hyper court, je pense. Je sais pas, j'ai pas encore fait le montage, commencé le montage. Mais je suis sur mon jeu et j'ai un Gugus qui danse à côté de mon personnage. Voilà. Par contre, pour samedi, on fera. Je vais vous montrer 2 make-up d'Halloween hyper faciles. Voilà, comme ça j'en fais au moins 2. Et c'est tout. Voilà. Donc sur ce, désolé pour ce petit vlog, je fais ce que je peux, mais n'oubliez quand même pas de mettre le pouce en l'air, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et on se retrouve samedi en vlog, et moi je n'ai plus qu'à vous dire bisous.